Alors, heureusement, maintenant, on peut dépister les troubles du comportement alimentaire à partir de quelques symptômes. Et il existe un questionnaire, le questionnaire SCOF, qui est bien validé en français, qui permet, sur 5 questions auxquelles répond par oui ou par non, de suspecter fortement un TCA dès lors qu'il y a 2 réponses positives. Ces questions, ce sont: est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire vomir quand vous sentez une sensation de trop-plein au niveau de l'estomac? Est-ce qu'il vous arrive de perdre le contrôle des quantités que vous mangez? Avez-vous perdu récemment significativement du poids, par exemple 5-6 kilos en 3 mois? Est-ce que vous vous trouvez gros ou grosse alors que les autres vous trouvent trop maigre? Et enfin, est-ce que vous diriez que la nourriture domine votre vie? Même développer maintenant dans notre équipe un algorithme qui, à partir des 5 réponses oui ou non à ces questions et du niveau d'indice de masse corporelle, permet pour les non spécialistes d'orienter vers le type de TCA et de proposer déjà quelques éléments de prise en charge en première ligne.